comment elle est venue. Déjà, j'ai rien inventé. Les facteurs d'amour, c'est quelque chose qui existe depuis 1996. Ça a été créé en Belgique. Ça a fait un petit peu le tour du monde, enfin en tout cas dans quelques pays, dans quelques villes de France, notamment beaucoup à Marseille. L'idée, c'est de répandre effectivement de l'amour et de la poésie dans le cœur, dans la vie des gens. Donc le principe, c'est quoi? C'est voilà, ce qu'on est en train de faire là, des déambulations dans la rue. On va au contact des gens et on leur propose pour le 14 février d'aller délivrer un message d'amour à un être qui leur est cher. Donc ça peut être un chéri, une chérie, mais ça peut aussi être un membre de sa famille, un ami, une copine, un chien, un chat. Nous, on n'est pas là pour juger. Et donc effectivement, c'est pas vendeur l'amour, et c'est bien pour ça qu'on le fait. Et en cette grosse période de merde, il faut bien on peut le dire, de dépression quasi générale, je cherchais un projet pour qu'à un moment donné on puisse malgré tout aller vers les gens. Depuis ce confinement, on n'a plus le droit de se rassembler, on n'a plus le droit d'accueillir des gens, donc on continue à travailler, mais on travaille finalement pour rien, parce que le temps qu'on prépare notre projet, une fois que notre projet est prêt, on est reconfiné. Et donc un soir, je suis rentré chez moi complètement dépité, après avoir parlé avec des habitants qui se faisaient chier clairement, avec des artistes qui n'arrivent pas à bosser, donc qui n'arrivent plus à bouffer. Et je me suis dit, feu, si c'est pas maintenant qu'on le fait, si c'est pas maintenant qu'on a besoin de poésie d'amour, quand est-ce que ce sera? Parce que l'amour, c'est pas un gros mot, en fait. Voilà, donc c'est un projet qui est entièrement gratuit. Personne n'est payé, même les artistes qui bossent sur ce truc-là ont complètement compris la démarche. Les personnes qui vont nous commanditer un message ne nous paieront pas. On va aller se rencontrer et on va essayer de finir ce projet avec des étoiles plein les yeux, et pour ceux qui sont allés délivrer les messages et pour ceux qui les auront reçus. Ça met du baume au cœur, quoi. Vraiment, ça met. Ça recrée du bien dans une époque qu'on a besoin aussi, a priori. Exactement. On est cloisonné chez nous avec cette histoire de confinement. Exactement. De et puis cette idée aussi de se dire, en ce moment, on va plus les uns vers les autres, quoi. Ils ont réussi. Alors, je sais pas de qui je parle vraiment, parce que. Éliminatif. Ouais. ou le Covid a réussi ça, quoi. Voilà, s'il a réussi quelque chose, c'est que les gens n'aillent plus les uns vers les autres. On s'approche plus, on se regarde plus. On a tous un être cher dans notre vie, en fait, tu vois. Et quand bien même ce serait pas un être vivant, ça peut être ta voiture, quoi. Et non, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être ton vibromasseur, ça peut être n'importe quoi, mais tu aimes toujours quelque chose. Alors, je me sentirais mal d'aller déclamer un poème pour un vibromasseur, mais encore une fois, je suis pas là pour juger. Donc si tu me commandes raconter un poème à ton vibromasseur, ma foi, je le ferai avec le même engouement que pour ta femme. On sera là pour filmer si ça a lieu. Et je vous inviterai, je vous dirai, quoi, ça peut être sympa. Et moi, quand j'avais participé au Facteur d'amour à Marseille, je m'étais retrouvée, ça m'avait marqué, je m'étais retrouvée chez une dame qui était en phase terminale d'un cancer. Et son mari m'avait demandé de lui relire la première lettre d'amour qu'il lui avait écrite 50 ans auparavant, quoi. C'est-à-dire que moi, si je vais à la rencontre de quelqu'un, tout ce que la personne va me dire, je ne vais peut-être pas le répéter à celui qui va aller délivrer le message. En revanche, je vais tout faire pour le mettre dans la globalité de la personne, pour qu'il y ait ce respect, encore une fois, de l'intimité et de la pudeur, quoi. Alors bien sûr, on peut dire « je t'aime » en écrivant des textes immenses, mais il existe aussi des petits poèmes ou des petits textes japonais. « Vous n'êtes pas de celles que j'aimerais en passant, ainsi que passent les blancs nuages chaque matin, chaque jour, sur les monts empourprés par l'automne. » Service civique pour l'association de l'art, et donc j'ai suivi l'initiative d'Edwige qui était de faire du coup naître cette idée des facteurs d'amour, que je trouve que c'est un super projet de pouvoir distribuer comme ça des lettres d'amour et un peu de chaleur dans ce monde un peu où les personnes se parlent plus de moins en moins en ce moment. C'est ça fait du bien, les personnes ont un peu peur, ouais, on dirait, enfin les gens ont peur de s'approcher, oui, c'est ça. Et où la sociabilisation est un peu compliquée parce qu'on a le droit de sortir un peu, à peu près que pour aller travailler. Et que du coup, voilà, ça fait du bien de pouvoir
Créer un lien entre des gens qui ont peut-être l'occasion de moins se voir en ce moment et qui ont quand même des choses à se dire, parce qu'on a toujours des choses à se dire, et c'est chouette. Voilà. Les gens, je pense qu'ils ont besoin un peu d'amour et d'attention, et il y a beaucoup de choses qui se passent, et je pense que les gens, ils sont un peu tristes de ne plus avoir leur loisir et aussi de se divertir aussi. Donc c'est un besoin en fait, et de passer un message d'amour et de la musique, parce que le cœur, déjà, c'est dans le cœur de la musique. Et dans le cœur de chacun, je sais qu'il y a une âme de part de musique. Et je sais que dans ce qu'on veut proposer dans l'association, c'est très important. C'est pour pas qu'on s'oublie et qu'on sache qu'il y a toujours de l'amour. Même dans la guerre contre le Covid, il y a toujours l'amour qui est là. Vraiment vous remercier du fond de mon cœur avant de commencer. Merci pour l'ardeur, l'énergie, l'amour, le labeur, etc. etc. Il est grand temps de rallumer les étoiles. On garde le mot d'ordre, d'accord, toute la journée, s'il vous plaît. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Merci, bande de facteurs. Donner ta main, oui, pour tout le temps du très bien. Est-ce que tu veux partager son chemin? Elle dit oui pour le tien. Joyeux Saint-Valentin, mesdames. Joyeux Saint-Valentin. De déclarer sa flamme de la manière la plus créative possible et avec énormément de poésie, parce que le chant apporte ça, cette poésie et cette joie immense. Et puis parfois on n'a pas les mots suffisants pour dire à quel point on aime la personne et à quel point elle rayonne, voilà, d'amour, et que ça rayonne sur notre vie. C'est tellement bien chanté, les mots étaient tellement forts, comme ils avaient été écrits pour nous deux. Non, c'était magnifique. Je suis une femme. J'endure cette inégalité rendue par mes enfants. Je suis cette trahie. Mais je suis une femme. Je reste solidarité, confondu des pouvoirs et des ignominies. Je suis une femme si grande que je fais peur aux hommes qui ne me veulent plus qu'à l'amour. Je suis le rêve des sommeils, je suis l'éveil du conscient. Je suis sans entrave, sans chaîne, ton patriarche inconscient. Ni Dieu ni maître, c'est la loi tant que la femme reste en bas. Je parle haut, regarde-moi, je suis le respect de mes droits. Regarde-moi, je suis la gifle d'une dernière main aux fesses, une surtroît que tu siffles ou celle que les faibles agressent. Je suis tous ceux que l'on me fait, je suis tous ceux que l'on me vole, je suis tous ceux que l'on me tait, je suis tous ceux que l'on me viole. Je suis le pro du vitriol de milliers de viols impunis, je suis ce combat petit homme, tout ce que ta peur a commis. Je suis cette heure pile qui sonne, égal que tu le veuilles ou pas, je ne demande pas l'aumône, je reprends ce qui est à moi.
télé, une science appréciée, au moment regretté, trop fragile pour oublier, à notre solitude. Sans la trêve. La trêve. Bravo et merci. Bravo. Oui. Bonjour, ce sont les facteurs d'amour. Est-ce que je pourrais parler à Mourad, au papa Mourad, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, alors on a un joli message à vous délivrer de la part de Sarah. Je suis allée au marché des oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon papa. Et tu es ma liberté, mon papa. Voilà, je crois que ce poème était de Jacques Prévert. C'est pas marqué, mais je pense pas me tromper. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est les facteurs de l'amour. Une famille, c'est fragile. Il faut en prendre soin, comme la prunelle de ses yeux. Même si on est loin, on sait que rien n'est plus précieux que l'amour de sa famille. L'amour se conserve au fond du cœur, comme un bijou dans son écrin. Quand dans la rue, je te donne mes yeux pour que tu vois... Tu me donnes tes mains pour recevoir. À dire qu'on est un peu radin, faudrait se donner un peu d'espoir. Arrêtons là, tu veux bien? Laisse-moi me rincer près du lavoir. Il n'y a plus de raison de se faire croire, on n'est pas vieux, amoureux. On reste seul le soir et toi, donne-moi, donne. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. Voilà, et c'était de la part de Eric. Bonjour. Bonjour. On est les facteurs d'amour. Venez là. On a un message à vous délivrer. Un message. Ouais. Vous êtes prêts? Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre, je vous vois, même le nez en l'air, je vous vois, je regarde la mer, je vous vois. À toi qui marches dans mes pas et qui t'éloigne de moi, ta présence s'écrète parfois, mais j'absente mon manque de soi. À notre solitude qui berce nos rêves, je perds à mesure. Edwige, on a un message pour toi, on est les facteurs de l'amour. Retrouver un peu d'air et des joyeuses pensées, c'est ce que tu nous as fait faire, qui nous a égayés, qui nous a enjoués et qui nous a fait aimer. Merci à toi, à tes sourires et à ton chouette cœur, à tes beaux rires. On reconquit l'espace public avec nos mots, un bras magique. Edwige, en ce jour de Saint-Valentin, t'es pour nous la plus chouette copine. Écrit par Steph. Bisous, voilà. Edwige. On t'embrasse, Stéphane.